Franck Sauzé. Bonjour à tous. Allez, c'est parti. Et l'arbitre de ce match, ce sera monsieur Fabrice Madoulet. Une touche. Il fallait peut-être venir en soutien pour l'aider. Oh, il a bien sauté hein, pour éviter le tacle. Oh, il y a du talent hein, chez ce joueur. Regardez ce qu'il nous fait. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Oh, c'est passé tout près sur cette action. Oui, parce qu'il se dit là qu'il a peut-être gâché une belle occasion. Ouais, ce sera un coup de pied de coin. Ouais, corner gâché, vraiment un ballon rendu à l'adversaire directement. Léger frisson dans la défense, c'est pas passé loin. C'est récupéré. Ah, il perd le ballon. Non, ce sera pas ce coup-ci là qu'il se fera déborder. Coup franc donc. Et le ballon qui est parti. Ouais, on lui a barré la route. Vous le passer. Il les aime, ses positions sur l'aile. Attention au centre. Oh, le tir. Et la défense qui fait barrage. Ah, c'est touché par le gardien et ça rentre. Ah, que ce soit lui qui marque, c'est bien entendu tout sauf une surprise. Ah oui, il fait partie de ces grands joueurs capables de tout à tout moment. Et c'est donc l'ouverture du score 1-0. Alors que vous découvrez une statistique sur les tirs. Perte de balle. Un bon pressing du défenseur. Ouais, la tête, c'est bien vu. Oh, qu'elle est bien partie. Oh oui, la belle parade du gardien. Et le ballon qui franchit la ligne, ce sera un corner. C'est dégagé du point. Deux joueurs à la lutte. Et le ballon est récupéré. Oh, ça pourrait coûter cher. Et il repousse le danger.
c'est propre ça. Mi-temps, c'est la mi-temps ici. Léger avantage donc au moment de regagner les vestiaires, 1-0. Elle sent que son équipe a besoin d'afficher un autre visage pour égaliser. Et c'est pour ça qu'il demande ce changement. C'est reparti pour 45 minutes. Qui avorte. Il a du soutien dans le paquet. Il a fermé la porte du couloir. Il tente la volée. Attention le poteau, c'est pas fini. Oui, boum. Et avec ce but, il creuse encore un petit peu plus l'écart. Et quand il y a une qualité de centre de la sorte, eh bien les attaquants se régalent forcément. Et ils accentuent leur avance, le score qui est désormais de 2-0. Le beau duel pour la récupération du ballon. Et il redonne. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Fabrice Madoulou qui pourrait sortir un carton, attention. Jaune, ah oui, carton jaune. On va voir cette intervention défensive régulière. Je crois que l'arbitre a eu raison de siffler la faute en tout cas. Ah, l'entraîneur n'a pas abdiqué. Il remanie son équipe, il la sent capable d'égaliser. Ce centre, notre. Oh, le beau tir. Oh, qu'il allait vite ce ballon. Mais le gardien était bien là. L'enjeu est parti trop tôt, le ballon a été donné trop tard. Et ils sont à la récupération. Il voulait prendre l'aile, mais il s'est fait couper l'aile. On le voit bien là, le centre. Son vacuum. Elle veut voir son équipe égaliser. Il fait ce qu'il faut pour. Peut-être le but. Il y a. On voit ce but qui leur fait du bien. C'est surtout un but qui leur permet d'accroître leur avance. Ils vont peut-être se contenter de gérer le match là tranquillement maintenant, de faire tourner. 3-0, toujours pas de réaction, passe. Propre, ballon toujours en jeu. Oh, il fait ce qu'il veut, il se balade littéralement dans la défense. Il se dispute le contrôle du ballon. Il récupère le ballon. Oh, c'est bien centré, attention. C'est sûr que ce n'est pas à son équipe de faire le jeu, alors il fait tout pour préserver bon résultat. Ouais, l'attaque qui est stoppée, mais ce n'est pas fini, il faut rester vigilant. Allez, le centre maintenant. On va se battre à la tombée. Oh, le ballon qui s'écrase sur la barre. Un retrait pour le gardien.
l'arbitre qui avait compté 2 minutes de temps additionnel. On est deux joueurs à la lutte. On a bien vu ce centre, mais le défenseur est le plus prompt. Allez, 3-0, ce sera le score final. L'arbitre qui renvoie maintenant tout le monde au vestiaire. J'ai quand même un peu le sentiment qu'il n'y a pas vraiment eu de match. Vous partagez mon analyse, Franck ? Oui, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain, Hervé. Elle était plus forte dans tous les compartiments du jeu. Comme je dis souvent, ils auraient pu jouer toute la nuit, qui n'auraient jamais été inquiétés.